félicitations à l'équipe de Ciudad Real et à son coach. Je pense qu'ils ont fait un match, je dirais, très appliqué. C'est vrai qu'on les sentait, d'après ce qu'on avait entendu ou supervisé, on les sentait un petit peu en difficulté. Et je crois que là, ils sont arrivés ici extrêmement concentrés et ils ne sont pas, absolument pas tombés dans le piège du phare, en fait. Hein. Maintenant, pour pouvoir tomber dans un piège, il faut que nous, on soit aussi un tout petit peu plus performants. Et je crois que ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a beaucoup trop d'immanquables pour pouvoir espérer battre une grosse équipe comme celle-ci. Et voilà, et on s'est fait châtier automatiquement sur des contre-attaques qui ont mis, j'irais, Soudal à l'abri. J'ai pas senti, sincèrement, Soudal très, très inquiété sur ce match-là. Même si on aurait pu effectivement se rapprocher un tout petit peu plus en fin de partie, on a été quand même un petit peu trop approximatif, notamment au niveau de la finition, et puis notamment au niveau des transmissions de balles sur le money time. Jusqu'à maintenant, les matchs retournent en Ligue des Champions, on n'a pas été géniaux, mais il est clair qu'on va essayer de s'appliquer pour au moins donner du beau spectacle là-bas, et puis voir s'il n'y a pas une petite fenêtre de tir, on ne sait jamais, si ça part au mieux. On peut essayer de peut-être rêver un petit peu et puis essayer de les piquer. Voilà, tout simplement.